Salut tout le monde, c'est Frachat QC Bro Gamers. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis dans le thème du hockey. Équipe canadienne. Ben, c'est... inquiétez-vous pas, je suis un fan numéro 1 canadien. Cette année, je pense, Maple Leaf va aller assez loin, je crois. C'est une équipe canadienne. Fait que je pense que c'est la deuxième équipe canadienne que je prends après le Canadien. Sinon, pour ça, les Oilers, ça c'est mon wild guess cette année. Je crois que Connor McDavid, puis Drysdale, puis James Neal, ouais. Bon, les années loin. En espérant en finale de la Coupe contre le Canadien. Puis le Canadien gagne. On va voir. Canadien dans mon cœur, bien sûr. Puis, comme vous allez voir en dessous de la vidéo, des cartes de hockey de Tim, 6 petits packs, encore une fois. Ben oui, genre. Je vous l'ai dit que j'en referai. Vous avez vu mon dernier, j'en referai. Je vais en refaire encore et encore juste à temps que ça finisse. Parce que je suis vraiment dans le mood de hockey en ce moment. Ok, on va ouvrir ça tout de suite, let's go. Fait que on part ça, ce petit opening de belles petites cartes. Je vais vous montrer par contre vite fait. J'ai quand même fait le ménage de ma chambre à la maison de chez mes parents, dans le fond. Puis là, il y avait des vieilles cartes de hockey que mon frère s'est fait donner, puis qui m'y a donné. Puis là, j'ai juste ressorti ceux qui étaient plus belles, comme des demeures. Je vais vous les montrer juste vite fait, vraiment. Là. On a ici les coéquipiers de Wayne Gretzky, teammate. Wayne Gretzky, teammate. C'est pour ça qu'on a la photo de Wayne Gretzky en arrière de chaque. Deux fois Luc Robitaille ici. On a ici un Evening Monkin. Je sais pas si c'était du McDo, ça. Non, il n'y a pas l'air d'avoir. Ah oui, c'est du McDo. C'est des cartes de McDo. Je sais plus quelle année. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Ceux-là sont belles, mais c'est trop, j'ai l'impression. On les voit très mal avec les sleeves, mais regardez ça. Un joueur de hockey dans l'espace ou je sais pas où. Peut-être qu'ils valent une certaine. Mais, choses sont bizarres. Ici, on a. Je sais plus qui. Et voilà, c'est juste, je voulais vous montrer vite fait. C'était partie de la collection que j'ai. J'ai pas grand chose. Alors, on commence avec. Tiens. Comme à chaque fois, je le mets de côté. Puis, je mets la spéciale à l'arrière. Miro Haskanen. Elias Peterson et ma première gold et en plus c'est Crosby, yes. Je pense pas que c'est ceux qui ont le plus de valeur mais sont vraiment belles, sont vraiment nice. Puis comme vous pouvez voir, je sleeve mes cartes. Je sleeve mes cartes de hockey pour les garder en plus belles, en conditions les plus belles possibles. Fait que j'ai un petit paquet. Ceci. Oh, mon premier triple. Je pense que c'est pas la fin du monde si on a des triples. Ça, je ne l'ai pas, je crois. Et un petit marqueur. Ça, c'est peut-être mon premier double spécial. C'est sûr qu'après pratiquement 20 packs, on va commencer à avoir quelques doubles. En espérant que ça soit pas trop les spéciales. Steve Stamkos. Morgan Riley et un Ryan Getzlaff. Nice. Je pensais que le coin était comme écrasé, mais non, c'est vrai, ils sont ronds, ces petits coins-là. Et on commence, boum! Avec un petit Sidney Crosby. Comme ça. Nico. Puis un mec David hautement décoré. Décoré. Plus que deux paquets. Ouh. Hop.
à l'accès de Radulov. Andrei Antananiosius. Et hautement décoré, Stamkos. Les hautement décorés, je ne trimpe vraiment pas dessus. C'est les moins belles, je trouve. Et le dernier petit pack. On a ici un Frederick Anderson. Des Lee. Et un Drew Tari. Tari, je l'ai mis à prononcer. Un petit rouge. Nice, on fait un petit recap de les petites cartes spéciales. On m'a décoré Steve Stamkos. Drew Tari. Connor McDavid, on m'a décoré Ryan Getzlaf. Mark Schofflofla. Game Day Action. Je connais le joueur, je sais juste que. Moi, puis les noms. Puis Sidney Crosby. Go, c'est moi, d'après moi, c'est elle. Selon moi, c'est elle la plus belle de toutes. Les trucs avec les deux rouges, là. Ils sont vraiment nice. Fait que c'est ça qui va avoir été la vidéo. Un peu décevante, je trouve, à part le Sidney Crosby. Puis les deux, là. Ils sont un peu décevants. C'est la première fois que j'ai pas un clean cut dans des packs. Ou franchise. Duo franchise. Ok, c'est ça. On va s'abonner, partager, liker. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Puis, ben c'est ça. Ciao, peace.